qu'elle est, qu'elle quitte mer même. Kokoravan, anushit mer même. Si ravo lori, vi ravo lori, lori, se ma vo lori, lori già. Bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui pour découvrir le saz. Le saz, c'est cet instrument à cordes pincées. Il est constitué de trois chœurs de cordes. Les chœurs, ce sont des ensembles de cordes que l'on va jouer ensemble. Les miens sont composés de deux cordes à chaque fois, accordées à l'unisson. Elles ont le même son. Cet instrument à cordes pincées, comme j'ai dit, ou cordes grattées, car on peut très souvent utiliser le plectre pour gratter les cordes, est composé d'un long manche, les clés, les chevilles au bout pour tendre et détendre les cordes, et la caisse de résonance. Étonnamment, il n'y a pas de trou, pas de rosace sur le devant de la caisse. Non, le trou est à l'arrière. Cela permet de projeter le son tout autour de soi. Sur le manche, il y a de nombreuses frettes. Il y a des frettes pour les notes que nous connaissons bien chez nous. Et puis il y a des frettes pour des notes un peu plus particulières. On appelle ça des quarts de ton, qui vont se situer entre deux notes que l'on a l'habitude d'utiliser. Et tout simplement, ces quarts de ton sont là pour pouvoir jouer de la musique orientale, la musique arabe, la musique asiatique, qui utilise beaucoup ces quarts de ton. Car cet instrument, le saz, est originaire de Mésopotamie. Les premières traces ont été retrouvées il y a plus de 2000 ans de cet instrument, qui était utilisé dès l'Antiquité par les bardes qui allaient de ville en village pour chanter leur poésie, pour chanter leurs chansons. On le trouve aujourd'hui en Turquie, en Iran, en Irak, dans tout le Moyen-Orient. Et il accompagne toujours les chansons et les histoires. Ça me rappelle une histoire. Un jour, Nasreddin Hoxha veut devenir barde lui aussi. Alors il va chez le luthier et il achète un saz. Il rentre chez lui, s'installe dans son salon et commence à jouer. Une heure passe. Deux heures passent. Khadija, sa femme, qui est dans la pièce d'à côté, l'entend depuis tout à l'heure jouer. Elle trouve le son de l'instrument très joli. Elle se dit, il doit s'entraîner, préparer quelque chose. Elle se demande pourquoi il joue toujours le même son. Au bout de 3 heures, n'y tenant plus, elle vient le voir. « Oh Nasreddin, quel bel instrument tu as acheté là !»« Il a un joli son. »« Mais dis-moi, quand on va voir les musiciens sur les marchés, quand ils passent devant la porte nous faire des chansons, eux, ils changent de corde lorsqu'ils jouent, ils bougent leurs doigts sur le manche. » Ah oui, répond Nasreddin, mais c'est que eux, ils cherchent leurs notes. Moi, j'ai trouvé la mienne. Kelet, quel quitte mernem. Kokoravan, anushit mernem. Siravolo.